Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle série, série où nous allons tout simplement conquérir le monde. Alors ça s'appelle, c'est un nouveau jeu, enfin c'est un nouveau jeu sur ma chaîne, en tout cas, ça s'appelle Empire Total War. Bon là c'est un mode qui s'appelle Imperial Destroyer, pour plus de fun et plus de grandiosité. Donc on va partir sur une grande campagne. En fait on est tout simplement à l'aube du 18e siècle. Nous allons évidemment prendre le royaume de France avec notre bon vieux Louis XIV. Nous allons faire une campagne en World Domination où en gros il faut tenir 144 régions. La musique me fait chier. Il y a l'Amérique, l'Europe et l'Inde, un peu les guerres commerciales et un peu l'Afrique et des comptoirs commerciaux. Enfin, je vous montrerai ça un peu dans le jeu. Bon, il y a l'histoire de la nation, on s'en fout. Le niveau de difficulté, on va le mettre à fond. Là, ici, est-ce qu'on le mettrait pas à fond aussi? Let's go, on le met à fond aussi. Et on va y aller. Vous devriez en tout premier lieu renforcer vos armées en recrutant des soldats afin de patrouiller convenablement les frontières étendues de la France. La partie est de Petit l'Alsace pourrait conseil, hein. être menacée. Ses habitants sont en majorité germanophones. Aussi, la Prusse ou l'Autriche pourraient essayer de la reprendre dans une tentative de fonder un seul empire germanique. Ah, il est pas bon ça. Cependant, un conflit terrestre prolongé avec l'une de ces nations peut s'avérer imprudent, Ouais. malgré la puissance et la réputation de l'armée française. Ah, voilà Les quand même. territoires du Saint-Empire germanique à l'est sont habités par de bonnes populations chrétiennes, sous le joug Ah. corrompu de maîtres hérétiques luthériens. Berk. À ce titre, les territoires de la Rhénanie et du Württemberg sont des cibles potentielles pour l'armée française catholique désireuse de rendre la vraie religion aux fidèles. Comment ça, j'ai zéro là? Veillez également à étendre votre emprise dans les nouveaux mondes, c'est-à-dire l'Amérique et l'Inde, avant que les Britanniques ne colonisent les deux continents, devenant ainsi trop puissants pour les tenir en échec. Ouais. Il existe encore des territoires inexplorés sur le continent américain, bien que les Espagnols aient commencé leur expansion dans cette direction. Non, mais c'est bon, Le hein. temps est donc essentiel. Ok. En Inde, le paysage change. Le vieil empire moghol s'effondre et perd des terres face à ses rivaux marathes. Les Britanniques, les Hollandais et les Portugais sont tous actifs sur ce théâtre. Vous devriez donc nouer des alliances et vous assurer des territoires avant eux. Passez des accords commerciaux pour vendre vos ressources coloniales, ouvrez autant de routes commerciales qu'il vous est possible entre la France et ses colonies, et protégez les routes pour contrer toute attaque dans la mesure du possible. Une alliance avec l'Espagne peut également se révéler fructueuse pour contrebalancer le monopole actuel des Britanniques en Amérique. Bon. Bon, ok, ta gueule. Alors, vous avez bien compris qu'en gros, le gros problème, ça va être les Britanniques et la protection du territoire national en Europe et la protection de tout ce bordel ici avec beaucoup de Britanniques. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un jeu auquel j'ai quand même beaucoup joué. J'ai à peu près 1000 heures de jeu, hein, tout simplement, sur ce jeu. Donc, alors, comment ça se trame? On va prendre un peu de hauteur. L'Europe. Voilà. L'Europe, gros bordel, beaucoup de nations puissantes qu'on va devoir exterminer. On va faire des alliances et tout, hein, on va pas exterminer tout le monde direct. En Inde, alors, moi j'ai une petite strat là, bon, on va changer un peu l'histoire. Mais on va essayer de plutôt prendre pied à terre en Inde pour se faire un max de ressources ici pour ensuite pouvoir attaquer l'Amérique. Parce que l'Amérique c'est un territoire qui est extrêmement défendu, extrêmement âpre. Pour le contrôler, extrêmement compliqué quoi. Parce que nous avons quelques villes dans un territoire assez étendu, hein, assez vaste, un peu éparse. Des villes un peu partout. Voilà, ici vous reconnaissez nos chers Québécois, Québec avec Montréal ici, où les gens ne sont pas contents. Bon, ça, on verra ça au fur et à mesure. Je vais pas tout vous expliquer de suite, histoire de ne pas vous assommer. Bref, on a un peu de la Louisiane, on a un petit peu du Québec et tout ça. Et on a les Britanniques ici. Voilà, ça serait cool qu'il y ait une petite révolution pour qu'il y ait les Américains. Ok, ça peut arriver. Et il y a évidemment beaucoup d'Indiens extrêmement énervés, des pirates en Amérique. L'Amérique, c'est un peu le bordel. Alors, en gros, au début, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rapatrier nos soldats qui sont ici. On va Monsieur. totalement abandonner l'Amérique, hein, simplement. Marchez! Vas-y, bouge-toi le cul, on peut accélérer D'autres ça. ordres? Je Ouvrez les regarde. voiles, alors, mettez-y tout votre cœur! Ok, alors on voit qu'ici, il y a un gros bug au niveau de l'armée. J'ai qu'un seul soldat. Par bataillon, ça ne va pas, ça ne va pas. Ici À vos aussi, ordres!
Un soldat pas batailleur, ouais, c'est un truc que j'ai modifié dans le code du jeu et ça a totalement merdé. Ok, bon, c'est bon, on est reparti, j'ai relancé la campagne. Alors, on était où? On était à ici. Tac. Ah oui, les territoires qu'il y a, donc il y a ça, on le voit, et il y a des comptoirs commerciaux ici. Bon, là, c'est un peu buggé, c'est à cause du mode. Il y a des comptoirs commerciaux, je vais pas trop le faire pour l'instant tant que je suis faible. Donc, au niveau de la marine, je vais tout simplement me faire souiller par les Britanniques. Donc, on va les laisser tranquilles et gérer leurs comptoirs commerciaux. Regardez Père, mes je suis à armées, vos voilà. ordres. 540 soldats, hein, c'est un peu mieux. Allez, on va rentrer à la maison. On va là. Pour protéger le territoire. Alors, ce qui risque très probablement d'arriver au début, c'est que les Provinces-Unies, hashtag Netherlands, comment on dit ça, Pays-Bas, Hollande, nous attaquent, enfin attaquent les Espagnols et du coup, on soit dans une guerre assez terrible contre eux parce que nous sommes alliés aux Espagnols. Alors, ce qu'il faut faire, Votre c'est Majesté. déjà envoyer des bateaux ici pour protéger les ports. Ah, que ça parte en cacahuète Nous arrivons, pour Père éviter Mère. qu'ils nous détruisent les Relancez le ports. navire. Voilà. Je viens Envoyer ce d'atterrir. bon Ah, monsieur qui un lieu s'appelle d'apprentissage et Gentilhomme. de culture. Ta gueule, qui s'appelle Gentilhomme pour rechercher les technologies. Donc on va se faire de technologie militaire peut-être pour commencer. Ce serait peut-être pas mal, hein. Pour essayer de se défendre. Non, on va se faire de l'élevage. Voilà, un peu de commerce, un peu de d'industrie pour commencer. Voilà, ici, eux ils sont pas contents. Préparez-vous! Et ils sont Marchez! toujours pas contents. Et donc on va Votre essayer Majesté? de tout simplement. Je sais pas trop quoi faire. On va attendre ici En avant! parce que je sais pas s'ils vont Marchez! déclarer la guerre ou pas. Donc on va tout simplement partir dans l'onglet diplomatique. On va essayer d'améliorer nos relations diplomatiques avec nos voisins proches. Hein. Vous voyez ici, ça c'est mon pays. Et en rouge, c'est ceux qui m'aiment pas. En vert, ceux qui m'aiment bien. Ici, on s'en fout un peu de moi. Ici, vous voyez les différents onglets, groupe commercial. Ici, si j'ai du commerce avec, alors par exemple, les Danois, ils sont alliés aux Prussiens et ils sont ennemis uniquement avec les nations barbares qui sont situées ici. Donc, on va essayer de leur demander un petit accord commercial, leur donner un accès militaire indéfini à nos ressources. Et pourquoi pas une alliance? Et voilà, ça a marché. Et on est très amicaux maintenant avec le Danemark. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc ils nous feront pas chier. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a la Savoie, c'est hostile et irrécupérable, donc on s'en fout. Gênes. Peut-être essayer de demander une alliance avec un accès militaire. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? Yes! Nickel, moi j'ai une alliance avec Gênes, donc si la Savoie m'emmerde. On va passer. Gênes va passer à l'attaque, peut-être pour me défendre. Le Württemberg. Alors, ils sont juste à côté de moi, eux. Ça serait dommage qu'ils s'énervent. On va peut-être essayer de leur demander une alliance aussi, pourquoi pas. Peut-être un accès militaire, ça va les intéresser. Avec un accord commercial. Non, pas du tout, ils s'en foutent. Donc, on va juste leur faire un petit accord commercial. Ils s'en foutent aussi. D'accord, me faites pas chier, s'il vous plaît, quand même. L'accord commercial avec ça, avec cette technologie, on peut donner des technologies, une petite alliance, un accès militaire, non? Non, hein? Ça vous intéresse pas? Putain! Me faites pas chier. Un accord commercial avec un accès militaire. Non plus? Putain! Et ils sont relous, hein? Bon, alors ça. Voilà, nickel. Est-ce que maintenant une petite alliance, ça peut marcher? Avec un accès militaire? Non, bon, ils veulent pas. Bon, on a quand même un accord commercial, c'est pas mal. Ensuite, il y a qui là? Munster, indifférent. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite alliance, nous? Avec ça? Avec une petite technologie là? Yes! Voilà! Donc, on s'est fait un peu des potes là autour de nous. Alors, le Portugal, je sais qu'il y a peut-être un trade de région qui peut passer avec eux. Genre, s'ils me donnent leur territoire indien. Et moi, que je leur donne un petit territoire de merde. Ici là, c'est les îles qui sont ici. En Amérique? Alors, on va pas du tout respecter l'histoire, on s'en fout. Ok. Peut-être qu'avec ça peut passer. C'est regrettable, ils ne veulent pas. D'accord. Et si je te donne une petite technologie en plus là. Et une petite alliance? Peut-être. L'alliance, peut-être pas. Peut-être que c'est en trop, hein. Alors, je te redemande gentiment ça. Merde.
J'ai peur que ça les braque, ma technique là. Allez, allez, allez. Région. Donne-moi ça. Dans tous les cas, les régions d'Amérique, je vais les abandonner, donc je m'en fous un peu en fait. Si je fais ça. Et que je leur donne en même temps, je sais pas moi. Autre chose. Déjà, est-ce que comme ça passe? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, bon, on verra au tour d'après. Je sais pas si j'ai tout fait, je pense que ouais. La Russie. La Russie, la Russie. Bien me faire pote avec eux. Tu sais, si je te donne une petite technologie là, est-ce que tu. Non, t'en fous. Bon, bref. On va passer le tour. Là, j'ai zéro, hein, niveau argent, j'ai que dalle. Donc, voilà. On va essayer de. Bah, de rien faire, tout simplement. On va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se trame? Et rendez pas fou tout ça. Ok. Et du coup, c'est au tour par tour. Hein. Et pendant les tours, il y a les autres pays qui peuvent me proposer des trucs. Donc, ils veulent une alliance militaire. Ils veulent que je leur donne la Guyane. Et eux, en contrepartie, ils me donnent ce territoire tout pourri là qui sert à rien. Donc, on va refuser. Hein. En vrai, un territoire comme ça sert à rien. Alors, vous voyez, les Provinces-Unies attaquent l'Espagne. On va profiter de cette guerre pour essayer d'écraser les Provinces-Unies au nord. Déjà. Allez, hein. On n'est pas fous les Provinces-Unies. Qu'est-ce qui se passe? La Suède qui me demande une alliance militaire. Bah, vas-y, go. Hein. Go, 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 la Suède. Oui, et aussi, voilà ce qui va arriver. C'est que toutes les nations barbares en Amérique vont me déclarer la guerre. Voilà. Je n'attire pas mes alliés dedans. Ah. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. On va éviter d'énerver mes alliés quand même pour les attirer dans un milliard de guerres direct. Alors ici on a le bilan de ce qui s'est passé. Alors là la Res Pospolita, c'est en gros la Pologne-Lituanie qui a brisé son alliance avec l'Autriche. L'Autriche, hein, l'Autriche est en gros le territoire qui attaque, le pays qui attaque ici, Provinces-Unies. Par exemple, voilà, hein, vous voyez, Espagne, voilà. En gros, quand il y a des guerres qui éclatent, et certaines alliances explosent, hélas. Bon, bref, hein. Alors ici, il y a mes travailleurs qui sont pas contents, hein, pas contents. Et ici, on a tout ça de bordel. Ok, c'est un peu le bordel pour l'instant. Alors là, ce qu'il faudrait faire rapidement, ce serait aller écraser eux. Ce serait aller écraser eux, mais j'ai quand même peur de la Savoie, hein. J'ai peur que la Savoie remonte à travers mon pays et embrase totalement l'intérieur de mes terres. Ok. Alors là c'est tous les gens qui sont pas contents. Hein. Worker on strike. Ça veut dire que les travailleurs ne sont pas contents. L'aide de demande, c'est la merde. C'est la merde. Partout. Ok, calmez-vous. Ça va s'arranger. Fermez-la. On va faire un truc. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai un territoire, la Guyane, qui est en contact avec les Provinces-Unies. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est donner ça au Portugal plus la Martinique. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils vont accepter de me donner leur région en Inde. Allez. Je crois qu'ils ont accepté. Je crois qu'ils ont accepté, hein. Ouais, ils ont accepté. On voit ici, c'est passé au drapeau du Portugal. Donc c'est très bien. J'ai un petit territoire en Inde. Avec des gens qui sont pas contents dessus. Hein. Mais on enlève les impôts et du coup ils sont contents. Ils sont contents. Donc on va laisser ce territoire tranquille. Et on va prier pour que les autres ici ne m'attaquent pas. Et on va aller voir un peu comment ils me sentent. Hein. Alors il y a l'Empire Marat qui est là. Alors ici le problème c'est qu'en fait il y a l'Empire Marat. Maratha Confederacy. La confédération Marat en gros, qui vont rentrer en guerre contre les Mughals et ils vont probablement leur latter la gueule, même si pour l'instant ça se voit pas, ils ont deux petits territoires, mais ils sont bien plus forts. Et après, en fait, ça va devenir une espèce d'empire gigantesque, les Marats, qui sera très difficile à contrer. Donc, j'ai envie de me faire pote aux Mughals et pas aux Marats pour écraser les Marats. Après, ce sera plus simple de tuer les Mughals, mais le problème c'est que les Mughals ne m'aiment pas. Et les Marats m'aiment bien. Et les Marats sont mes voisins. Voilà. Et eux aussi, ils ne m'aiment pas. Et c'est mes voisins.
Je sais pas si c'est un bon truc. J'ai jamais fait ça pour l'instant. Alors. Eux, faut qu'ils viennent. Eux, faut qu'ils viennent très vite ici. Parce que ça va partir en cacahuète en Europe. Faut vraiment protéger le territoire. Hein. Territoire national avant tout. La Savoie, s'il vous plaît. Portez pas en couille. On va ramener cela ici. Ouais. Ouais, en avant. Et on va se faire des soldats, on n'a pas le choix. Hein. On va essayer de se créer une petite économie aussi, parce que là, ça va être compliqué. Juste des petites fermes, là. Des petites fermes. Des petites fermes qui vont faire du bien. C'est fini. Et que deux fermes dans toute la France. Pas beaucoup, hein. Comment ça coûte, ça? Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ok. Après, on peut voir un peu combien d'argent je vais gagner au prochain tour. Je sais plus où c'est. Quand même un bail que je peux jouer. Hein. Gouvernement. 7500. En gros, je jouerai 7500 avec quelqu'un au prochain tour. Mais. Et là, je dois me faire une armée. Je dois me faire une armée. J'ai combien de canons? Alors, l'artillerie est très importante. J'ai un canon ici. Un canon là. Un canon là. Un canon là. Bon, j'ai quand même pas mal de canons. Donc, on va se faire des. Des soldats, hein. Des soldats. Ouais, ils sont plutôt forts, je crois. De souvenir. Le dragon, je sais plus. Ouais. On va se faire ça. Et de l'infanterie de ligne, hein, de l'infanterie basique. Et on va essayer d'aller casser la gueule à eux. En espérant qu'ils sortent de leur ville, parce que sinon ça va être très compliqué. Et peut-être faire un petit raid. Un petit raid dans leur port, alors histoire de leur péter leur port. Voilà. Paf. Voilà. Du coup, ils ont plus d'argent. Voilà. Quand on détruit les ports de la métropole, ici c'est le territoire principal des provinces unies, eh bien ils ont plus aucune route commerciale qui fonctionne. Regardez, 0000. Par exemple, vous voyez moi, la France qui gagne 930 d'or à chaque tour grâce à ces routes commerciales. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai tout fait. Et oui, aussi, la grande problématique, c'est quand ce bon vieux roi Louis XIV va décéder. Ça va me faire une guerre de succession, une guerre historique, hein, où le bon vieux roi Louis XIV a voulu donner le royaume d'Espagne à sa descendance, et ça n'a pas du tout plu à l'Autriche, qui a déclaré la guerre de succession à la France, pour éviter que la France soit trop puissante en Europe, et évidemment, toute la joyeuse confrérie des pays protestants est entrée en guerre contre la France à ce moment-là, genre Grande-Bretagne, Prusse et ces cons d'Autrichiens qui ont déclaré la guerre. Et il y en avait d'autres aussi dans l'histoire, je ne m'en rappelle plus. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, là c'est la catastrophe. La Grande-Bretagne qui me déclare la guerre, c'est une catastrophe annoncée. Ça fait chier, hein. Donc on va essayer de limiter la casse. Déjà, il y a que eux qui me déclarent la guerre, c'est plutôt pas mal. Et là, ça va faire mal. Non, ouais, je peux pas battre en retraite. Putain. Ah, ça part clairement en couille. Hein. Ça part clairement en couille. Putain, ça part clairement en couille. Je vais perdre cette armée. Je vais pas faire la bataille, je suis sûr de perdre. Ça rien. La vertu et la valeur, invaincu. Bon ben en simulant j'ai gagné, très bien. Nickel, allez. Et du coup ils viennent de reprendre le territoire à l'Espagne. Ah putain, mais c'est vrai qu'ils sont en guerre. Eh, faut qu'ils se calment. Wesh, oh là là là, ça part en couille complet là. Vas-y, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal moi? J'ai rien fait. Laissez la France tranquille. Vous allez le payer. Vous allez le payer tout ça. Oh que ouais, vous allez le payer. Alors, ok, il y a encore une alliance rompue. La Louisiane n'est pas contente. Hein. Oh ouais, j'ai beaucoup. Ouais, c'est un peu le bordel au début. Hein, ça se voit peut-être. Ok. Il y a personne qui est content dans mon territoire. Hein. Ok, la flotte arrive. D'accord. Il faudrait pas qu'il se fasse intercepter. Hein. Ça serait extrêmement dommage. Sinon, je perds une flotte et des armées. Donc, en espérant qu'il n'y ait personne. Hein. C'est un coup de bigot. Un coup de poker. Alors, il faut que les Britanniques se calment. Hein. Il faut que les Britanniques se calment. Donc, pour ça. Pour.
signer la paix avec les Britanniques, on va tout simplement leur donner le territoire, en espérant que ça passe. Yo les gars, calmez-vous, tenez, et je vous donne quelques régions. Tiens, tiens, prends ça, ça. Est-ce que déjà rien que ça, ça passe? Tac. Ouais, juste ça. Non? Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les Britanniques. Tenez, regardez, je vous donne ça et ça en plus. Je suis super gentil, non? Allez vous faire foutre! Signez la paix, je vous dis. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, peut-être? Allez! Putain, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas ces bâtards. Vas-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la paix. Tenez, 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 tenez. De toute façon, ces régions, je vais les perdre. Il y a tous les Indiens qui vont m'attaquer. J'ai pas de soldats, je peux pas les tenir. Donc, je préfère les donner. Yes. Allez, voilà. La paix. Et là, bah, j'ai perdu tout, quasiment tous mes territoires en Amérique. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Et la guerre en Europe suit son cours. Ça va compter combien d'argent? 1400. Là, en gros, je peux refaire mes unités. Ça me coûte 1400 sur 7000. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et avec le reste, on va. Eux, ils sont quoi? Ils sont alliés. Vas-y, eux là, vous là. Attaquez. Attaquez. Attaquez, attaquez. Et là, les Savoyards, s'il vous plaît. Oh, on n'est pas fou. Ok. En tout cas, les Espagnols se sont fait latter la gueule, hein, instantanément. Merde, putain, j'aurais dû penser à faire ça, je suis débile. La ruse me couvre. Je cherche à me couvrir. Envoyer des espions un peu pour voir les mouvements de l'ennemi. Mes yeux sont les vôtres. Tac. On peut saboter et tout, donc on va peut-être aller saboter des trucs. Je me cache. On va leur péter leur port, encore une fois. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre des bateaux dans ces ports, comme ça ils se font pas casser les ports. Et quand ils sont pas cassés, il n'y a pas besoin de les réparer. Il y a un blocus, certes. Mais au moins ils sont pas cassés. Ok. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer à la contre-offensive contre ces cons qui ont perdu contre moi, qui m'ont attaqué. J'ai quand même une bonne petite armée, je crois. J'ai un général ici. J'ai un canon ici, un deuxième canon ici, là. Eux, bah ils vont peut-être venir en renfort du coup. Ouais, allez go. Tac. Et on assiège. Il se cache sous les jupons des femmes. Voilà. Des petits renforts qui vont arriver pendant la bataille. Et je crains fort qu'il n'ait plus de soldats. Hein. Je crains fort qu'il n'ait plus de soldats. Bruxelles. On attaque Bruxelles. Donc on va attaquer Bruxelles. On va prendre la Belgique. On va la prendre, on va la garder pour nous. Hein. Et après ce bordel d'Amsterdam, le problème c'est que c'est. Le territoire principal en gros des Provinces Unies, c'est la nation qui est ici, les Provinces Unies. Du coup, rien que le temps de pacifier cet endroit, ça va me prendre 15 ans. Donc il faudrait peut-être que je le donne à quelqu'un. Peut-être à eux là, si c'est mes alliés. En gros, moi j'ai pas envie de m'étendre en Europe beaucoup. Je vais surtout me faire des colonies. La bonne vieille France, hein, coloniale, on connaît tous. Donc on va quand même essayer de faire ça. Voilà, et se défendre au maximum en Europe. Et du coup, il peut y avoir une révolution. Évidemment, il peut y avoir une révolution. Et nous passerons à l'âge républicaine de la France. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons rester dans la royauté absolue qui dirige tout. Regardez. J'ai oublié ça. Ministre. On voit qu'il y en a un mauvais. Paf. On lui met un coup de pied au cul. Est-ce qu'il y en a un meilleur déjà? Il y a lui là. Jean-Baptiste Sommer à la place de Louis Philippot. Olé. Philippot, coucou toi. Bon alors, Philippot, dégage. Désolé, on va essayer de mettre l'autre, hein, parce qu'il y a des bonus par rapport au ministre. Évidemment, dans une république, on est obligé de faire des élections. C'est chiant, c'est long. Et on peut pas changer tous les ministres en même temps. Donc voilà, là on a des bonus de répression. Ça c'est bien. On a des bonus de Thornwatch, c'est moins cher pour recruter des miliciens, je crois. Et encore un bonus de répression, on adore. On adore la répression. Est-ce que si je fais ça, ça change quelque chose? Que dalle. Je crois qu'il était à 4, c'est passé à 3. Bon, très bien. Vive la répression, hein. Et les marates, regardez ce que j'avais dit. Les marates qui commencent directement leur expansion. Donc on va faire le couard, tout simplement, et on va s'allier aux marates.
Yo. Alliance, hein? Pote? Technologie? Non, je vais rien te donner, faut pas pousser. Alliance? Non, ça te paraît pas. T'en fous? Bon, bah ok, bah on se salit pas alors. Moi, c'est eux qui me font peur en vrai. Ça serait bien que j'arrive à prendre ce territoire, mais j'en suis extrêmement loin, je n'ai pas de soldats. Bon. Gérons l'Europe, hein. Gérons l'Europe. Et notre bonne vieille France monarchique. Non, mes bateaux! Putain! La flotte est perdue! Est-ce que ça a coulé? Je sais pas. Non, s'il vous plaît. Désastre! Non! Désastre. RIP. On peut simuler, hein. Les batailles navales, j'ai jamais fait. Je suis pas très fort. Donc je vais toutes les simuler. On s'en fout de la mer. Moi, c'est la terre. Avec beaucoup de soldats, là. C'est ça qui m'étasse. Bon, ils vont tous être pas contents, j'imagine. Ah, j'ai un gentilhomme. Un gentilhomme. Alors, lui. Milord. Toi, tu vas aller espionner mon l'ennemi. Et discrétion. Alors faut éviter de faire trop d'actes de sabotage, hein, parce qu'après tu es mal vu par les autres pays et ça c'est pas bon. Alors j'ai un gentilhomme, il est là. Gentilhomme à 4 étoiles contre un gentilhomme à 4 étoiles, on va laisser là. Alors, en gros ces mecs là ils servent aux technologies tout simplement. Là quand tu les mets dans des universités comme celle-là, Orléans, ça améliore ta recherche. Pas du tout là. Ça fait très longtemps que je peux jouer au jeu. Voilà, ça améliore la rapidité de ta recherche. 4 tours à la place de je sais pas combien, je peux m'amuser à l'enlever. Et quand tu l'envoies dans les universités des autres pays, genre comme là, tu peux voler la recherche. Et on va faire ça, hein, on va voler la recherche à nos ennemis, pas à nos alliés. On va essayer pas se les mettre à dos. Voilà, le siège suit son cours. Dans 4 tours, les Néerlandais vont se rendre. J'ai de l'infanterie qui arrive, j'ai un port qui est bloqué, une guerre qui a été déclarée entre l'Empire Ottoman et Venise. Ok. Une flotte qui a été détruite, une mort héroïque. Ok, ok. Donc ça, pour l'instant, je vous montre un peu tout pour que vous compreniez un peu les bases du game. Voilà, et ensuite, il y a le prestige, je crois. Le prestige des nations. Il y a beaucoup de nations pour l'instant. Hein. Ah, donc on comprend pas grand-chose. En gros, ce qu'on comprend, c'est que les Britanniques sont largement au-dessus. Alors, il y a au niveau militaire, hein, voilà, ça c'est leur force militaire à peu près en comparaison aux autres. Donc, les Britanniques sont assez énervés. Leur force navale, donc on voit au niveau force navale que c'est les Portugais qui en ont le plus. L'économie, voilà, on voit qu'au niveau économique, ce sont les Provinces-Unies qui en ont le plus. Et ça, c'est au niveau de la recherche. Et là, on voit que ce sont les Britanniques hein, à peu près. Et moi, en gros, je suis pour l'instant une grosse merde, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. On va essayer, tout simplement, de capturer cette ville. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant? Peut-être arrêter de faire des soldats, sinon mon économie va s'écrouler. Peut-être faire des petites fermes en plus, comme ça, des fermes. Ok, on voit ce que ça fait, hein. Ça produit un peu de bouffe, ça augmente la population, ça produit de l'argent. On va faire ça, il me reste 352. Pas beaucoup. Hein. Là, vous êtes calmez-vous, non, putain, mais sérieux quoi. Et on voit pourquoi ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents à cause des personnes de mon gouvernement, de la religion, des taxes et du type de gouvernement. Ça, c'est les classes populaires en effet. Et les riches sont contents, évidemment. Donc si les riches sont contents, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va augmenter les impôts des riches. Et là, on voit l'argent que je gagne. Hein. On va quand même, dans le doute, augmenter les impôts au max. Hein. Les riches vont payer pour les autres. Voilà. Et nous sommes quand même français. Je tiens à le rappeler. Et eux, faudrait les éclater. Hein. Alors, il est où ? Majesté. Il n'y a pas d'autres... D'autres armées là qui se cachent vers une nouvelle position. Non hein. Donc soit je rush, soit ils risquent de refaire une armée. Ouais, je pense qu'il serait temps de rusher. Rusher la bataille. Donc on va rusher la bataille tout simplement. On va faire ça. Prends mon armée qui est là. Est-ce que je me fais des petits renforts? Qu'est-ce qui leur arrive à eux là? Ah oui c'est vrai. Tac. Calmez-vous. Et là on voit l'argent que je perds, 1934, 0, super. Ok, bon bah go rusher hein,
Gorosché, il y a pas beaucoup, il y a 1500 soldats contre quasiment 6000. Donc allons les fumer, on va faire la bataille évidemment.